Olivier Dassel, donc j'ai 47 ans, je suis agriculteur ici à Berthauville, sur une production de culture polyculture élevage, on va dire, mais principalement orientée sur les pommes de terre, de la multiplication de plants principalement, qui est la production principale, au moins économiquement. Également une production de lin textile et de céréales, betteraves à sucre et protéagineux, avec un troupeau allaitant également. Donc c'est une structure qui est assez importante. On a 5 salariés qui travaillent avec moi. Voilà, donc c'est le. Et je suis également président de Solanco, pardon. Une association qu'on a créée il y a 3 ans pour développer les techniques de, on va dire, de remise en vie du sol et de recréer une production basée sur la biologie. Cette ferme est située dans le Pays de Caux, qui est une des régions agricoles peut-être les plus riches de France, on va dire, au niveau de ses sols. Sans doute moins au niveau du climat, qui est plutôt froid et humide, mais les sols sont très profonds. Et ils sont très fragiles également, souvent d'ailleurs, quand les sols sont riches, ils sont souvent fragiles. On avait des gros problèmes d'érosion de sol. Moi, j'ai toujours connu la terre partir après chaque orage. Et là, en fait, depuis quelques années, ça se doublait également de problèmes de rendement. Que cela était plus pernicieux, on voyait que le rendement plafonnait, mais surtout que, et principalement en pommes de terre, la qualité devenait difficile à atteindre avec des problèmes de pathogènes, de bactéries ou de champignons qui se développaient. Comment on a réussi à. Alors, je ne sais pas quel heureux hasard a fait qu'on réagisse sur tout ensemble, mais c'est ce lien entre la vie du sol les pathogènes et le rendement des plantes qui n'étaient pas faits avant et qu'on a réussi à mettre en évidence. Et maintenant, c'est devenu clair, quoi. En fait, la vie du sol nous permet de limiter l'érosion, alors ça, c'est clair, et également de produire plus et mieux, donc en meilleure qualité et en plus avec moins d'intrants. Alors, sur une parcelle cultivée, donc en fait, pour des pommes de terre, auparavant, des chômaies après la récolte du blé. Et ensuite, on labourait, on préparait la terre, donc on labourait souvent l'hiver. Et en fait, on passait 2-3 trains d'outils pour ouvrir la sol avant de planter et un dernier passage de culture à taux avant l'implantation. Là maintenant, pour ce cas particulier des pommes de terre, après la moisson, on sème un couvert le plus vite possible, enfin un couvert végétal, donc des plantes, plusieurs espèces en mélange, de manière à ce qu'il soit le plus dense possible, pour en fait nourrir la vie du sol, la vie du sol qui se nourrit déjà par les racines pendant la période où le couvert est vivant. Et là, donc, il a gelé la semaine dernière. Le couvert est en train de mourir. La vie du sol va se nourrir également. Là-dessus, on n'a pas fait du tout. On ne fait pas de labour. Maintenant, on ne bouleverse plus les horizons. Jamais, on enfouit une matière organique. On va passer avec un rouleau juste 15 jours avant pour la plantation, pour tuer les dernières plantes qui pourraient rester vivantes, qui seront en concurrence des pommes de terre. Et ensuite, on passe le culture à taux juste avant de planter. Donc, on fait quand même encore un travail du sol qui permet de mélanger tous les débris végétaux, là pour le coup, qui vont se décomposer en fait dans la mode de pomme de terre. Cette mode de pomme de terre, elle est aérobie. Donc la vie du sol va pouvoir accéder à tous les éléments minéraux nécessaires directement par la vie du sol et nourrir la pomme de terre qui va croître. Voilà, donc gros changement et en fait pas évident d'ailleurs au départ parce que pas très rassurant de laisser une pomme de terre avec tant de débris végétaux. On pensait avoir des problèmes de maladies justement, de rendement peut-être. Et il s'avère qu'au bout de 2-3 mois, depuis 3 ans, on a changé la technique,
Tous les végétaux sont décomposés et les pommes de terre sont plutôt en meilleure santé qu'avant, plutôt plus poussantes. Et en fait, les résultats techniques sont meilleurs. Donc, on a moins de problèmes de virose, moins de problèmes de présentation également, moins de problèmes de gale. Donc, pour l'instant, on est plutôt satisfait de ces changements. Donc, ce pari de changer grâce à la vie du sol, cette façon de produire, paraît bien engagé. Ça n'est pas qu'un bouleversement technique, c'est surtout un changement de mode de raisonnement et même de prise en compte des mécanismes vivants. En fait, auparavant, on avait tendance à raisonner par le vide, c'est-à-dire que dès qu'on voyait quelque chose dépasser, une mauvaise herbe, un insecte ou un champignon, on voulait le supprimer. Pourquoi il est là? C'est qu'il ne doit pas être là, il est en concurrence avec ma production. Et là, on utilise plutôt ces événements, enfin, je veux dire, ces organismes qui apparaissent comme des indicateurs de fonctionnement du sol. Et en fait, même parfois, quand on a un parasite, qui peut toujours être parasité la plante, on essaie de comprendre pourquoi il est là, et qu'est-ce que je peux faire avec, et pourquoi, enfin, comment je peux modifier son milieu, s'il m'embête vraiment, comment je peux modifier son milieu de vie de manière à ce que la plante en profite et travailler avec la nature et non pas contre la nature. On voit le sol très facilement côté physique, côté chimique, mais beaucoup moins côté biologique. Et en fait, le sol, c'est trois dimensions. Les trois dimensions sont liées. Un gramme de sol, c'est plus d'être vivant que d'humain sur la Terre. Donc c'est vertigineux le nombre d'organismes vivants qu'il y a. En fait, la vie du sol, c'est mon organisme de recyclage. C'est ce qui nous permet de transformer nos résidus de cultures précédentes, nos couverts végétaux qui sont en décomposition, en éléments que la plante de la récolte suivante va pouvoir absorber le plus facilement possible. C'est infiniment plus puissant que la chimie, infiniment plus puissant que la mécanique. Donc c'est un pari parce que c'est vraiment l'inconnu. On a très peu de données chiffrées, c'est dépendant de nos milieux, quasiment à l'échelle de la parcelle, peut-être même intraparcellaire. C'est pas la même vie dans chaque zone de la parcelle. Mais par cette puissance, on peut mettre en jeu des mécanismes qui permettent vraiment de dépasser nos productions actuelles. Nous, ça nous permet de prendre conscience que la nature est beaucoup plus puissante que nous, qu'elle peut produire en plus bon marché, donc qu'elle peut produire beaucoup de manière saine, de manière équilibrée. Et ça nous évite cette dérive vers trop de techniques. Alors voilà, je vais peut-être faire bondir des gens, mais on voit passer des productions hors sol, en hydroponie. Enfin, c'est sûr qu'on peut. Il y a des mécanismes qui permettent économiquement de tenir, parce que l'énergie est gratuite hein, en ce moment. Avec une énergie qui serait plus chère, on aura beaucoup plus de mal. Néanmoins, là, avec la nature, on produit de manière propre, de manière économique et en plus de manière saine, équilibrée. Le gros avantage de cette technique, finalement, c'est la simplicité. Et c'est ça qui est difficile à faire passer parce que nous, ça nous a fait, ça fait 3 ans qu'on travaille au niveau de Solenco pour arriver à mettre au point des systèmes de culture. Et on se rend compte que finalement, moins on perturbe le système et mieux ça se passe, moins on intervient souvent. Et en fait, on a peur de ne pas intervenir assez. En fait, c'est le contraire. En fait, il faut ne pas intervenir pour que ça se passe le mieux possible. C'est le chemin inverse de tout ce que le système actuel prend. Enfin, je veux dire, avec davantage de machines, des robots, on est vraiment sur un schéma inverse. C'est pas qui est-ce qui a raison, hein, mais en tout cas, c'est sûr que c'est plus passionnant de travailler avec la nature que de travailler avec des robots. Ça, c'est clair.